Et on passe à la troisième communication pour une pathologie qui devient, qu'on peut dire, une pathologie du siècle. C'est l'Alzheimer. Et on demande au professeur Amalou, à vous la parole. Bonsoir, honorable assistance. Je remercie l'association des privés de Schleff de m'avoir conviée. Et on m'avait accosté en juin pour présenter la maladie d'Alzheimer. Et ce fut un très grand plaisir pour moi de revenir à Schleff. Donc, c'est quoi la maladie d'Alzheimer? C'est une maladie, d'abord, j'adore ce slogan, c'est quoi? Vieillir n'est pas une maladie, mais c'est plutôt la maladie qui fait vieillir. Donc, en introduction, on sait très bien que la maladie d'Alzheimer est une affection neurodégénérative. Elle représente 70% des démences. Pourquoi c'est une maladie qui pose problème? Parce qu'elle a un impact socio-économique très important, avec une prise en charge qui est très lourde. D'où l'intérêt d'un dépistage précoce. Et aujourd'hui, je sais que la salle, il y a beaucoup de médecins généralistes, et j'aimerais faire passer le message. Pourquoi un dépistage précoce? Parce que les premiers malades arrivent d'abord chez le MG. Vous savez, les hypertendus, les diabétiques, on a très souvent un médecin de famille et on a envie de renouveler son ordonnance. Donc on est hypertendu, diabétique, on a tous ces facteurs de risque et on a probablement des troubles cognitifs que peut-être le médecin généraliste va déceler précocement et orienter vers des consultations spécialisées. Donc, un petit mot sur Alois Alzheimer. C'est un neurologue neuropsychiatre allemand qui est né le 14 juin 1864 et qu'il avait découvert chez notre fameuse patiente Augusta, qui était hospitalisée dans un asile psychiatrique pour essentiellement des troubles du comportement, des hallucinations et essentiellement les troubles du comportement et les troubles et les hallucinations. Ce n'est qu'après son décès que Monsieur Alois Alzheimer découvre cette pathologie. Et c'est quoi cette pathologie? Comment il le découvre dans le post-mortem? Ces plaques séniles et cette dégénérescence neurofibrillaire. Donc, je pense que le pointeur ne marche pas. Attendez. Donc, il y a deux éléments neuropathes qui sont impliqués dans la maladie d'Alzheimer. Bon. Donc, ce n'est qu'après avoir découvert ces plaques séniles et ces dégénérescences neurofibrillaires que Alois Alzheimer a pu mettre une étiquette sur la maladie et définir la maladie d'Alzheimer. Donc, la maladie d'Alzheimer est définie comme une pathologie neurodégénérative, c'est une dégénérescence neuronale progressive et irréversible de toutes les fonctions intellectuelles. Et bien sûr, il est important d'établir le diagnostic après 6 mois d'évolution. Nous ne sommes pas en droit d'établir un diagnostic de démence devant un état confusionnel aigu. Il est impossible. Il faut attendre au moins 6 mois d'évolution pour pouvoir parler de maladie d'Alzheimer. Et ce que je veux attirer votre attention, qu'on ne parle pas de démence tant que le patient est autonome. Démence égale perte d'autonomie totale. L'idéal, c'est de traiter les patients et de dépister les patients avant le syndrome démentiel, c'est-à-dire il faut qu'on soit dans le syndrome prédémentiel. Autonomie préservée? Syndrome prédémentiel, perte d'autonomie, nous sommes devant un état démentiel. Donc l'idéal, c'est de dépister les malades au syndrome prédémentiel. Donc, c'est quoi sur le plan pathogénie? Il faut savoir qu'il y a deux protéines qui sont impliquées dans la maladie d'Alzheimer. Vous avez, attendez, excusez-moi. Non, ça fait passer. Alors là, voilà. Vous avez deux protéines, une intraneuronale et l'autre extraneuronale. La protéine tau qui est intraneuronale et la protéine bêta-amyloïde qui est extraneuronale. Cette protéine, il y a une anomalie de phosphorylation de cette protéine, donc elle va s'accumuler de façon anormale dans le cerveau. La plaque amyloïde se sent donc par anomalie de catabolisme, on aura une accumulation des plaques amyloïdes, appelées aussi plaques séniles. Donc l'association de plaques, alors je ne sais pas utiliser ce pointeur. L'association de DNF plus plaques amyloïdes égale dégénérescence neuronale.
Donc voici les deux lésions histopathologiques qui sont impliquées dans la maladie d'Alzheimer, les DNF et les plaques amyloïdes qui sont à l'origine de la mort neuronale. Sur le plan biochimique, vous savez très bien que la structure responsable de la mémoire, c'est l'hippocampe, cette structure qui est au niveau de la partie interne du lobe temporal. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous avez les neuromédiateurs excitateurs qui sont impliqués dans la mémoire. Tout le monde les connaît, c'est l'acétylcholine. Quand il y a une atrophie hippocampique, premier déficit que vous allez avoir, c'est un déficit en acétylcholine. Premier symptôme, trouble de la mémoire. Bien sûr, quand vous savez très bien que dans la maladie d'Alzheimer, il y a plusieurs stades de la maladie et qu'au début, il y a uniquement les neuromédiateurs type acétylcholine qui sont déficients, ce qui explique un peu les troubles de la mémoire. Par la suite, d'autres neuromédiateurs seront impliqués, tels que la sérotonine, d'où les troubles de l'humeur, et la noradrénaline, qui est à l'origine des troubles dysautonomiques et autres. Donc, les différents stades de la maladie d'Alzheimer, vous savez très bien que la maladie d'Alzheimer est une démence purement corticale, qu'au début, elle est corticale, au stade de début, d'où l'examen neurologique est strictement normal. Au stade modéré, vous avez une extension en sous-corticale et au stade avancé, c'est une atteinte dégénérescence cortico-sous-corticale. Et là, bien sûr, l'examen neurologique est tout à fait pathologique. Donc au stade de début, l'examen neurologique est strictement normal. Il faut se rappeler que c'est une démence corticale où l'examen neurologique est tout à fait normal et que dans la maladie de Parkinson, que professeur Ben Mahjoub a abordé en long et en large, on a au fil du temps, c'est-à-dire après le début de la maladie, il y a installation des troubles cognitifs et dans ce cas-là, on parle de démence sous-corticale où l'examen neurologique, on retrouve une atteinte extrapyramidale, contrairement à la maladie d'Alzheimer qui est une démence corticale qui touche le cortex cérébral et donc on a essentiellement où l'examen neurologique est strictement normal. Donc ce qu'il faut savoir, un mot sur l'épidémio, vous savez très bien que l'espérance de vie a augmenté et que la prévalence augmente avec l'âge et que nous avons quand même recensé un âge moyen. En Algérie, on est à 75 ans en moyenne et que nous avons recensé en 2018, suite à le sujet de thèse que j'ai mené, une étude épidémiologique, et j'ai retrouvé approximativement, parce que ce sont des chiffres qui ont été extrapolés, j'ai fait une étude sur la région de Blida et que j'ai extrapolé par rapport à l'Algérie et que nous avons approximativement 200 000 cas de maladie d'Alzheimer, ce qui est très, très important. Ce chiffre risque de tripler dans 10 ans. Et vous savez très bien qu'en 2010, ce chiffre était à 100 000. On avait recensé 100 000 cas d'Alzheimer. 8 ans après, on est arrivé à 200 000 cas. Donc vous voyez très bien que l'espérance de vie a augmenté et cette prévalence augmente avec l'âge. Bien sûr que cette maladie n'a pas de cause, mais on sait une chose, que cette maladie est multifactorielle, qu'il y a des facteurs qui sont incriminés dans la maladie d'Alzheimer. Essentiellement, il y a des facteurs modifiables. Pourquoi je dis modifiables ? Parce que ce sont des facteurs où on peut agir. Et ce sont ces facteurs de risque, ces patients-là qui arrivent chez le médecin généraliste, qui ont une hypertension mal équilibrée, qui ont un diabète mal équilibré, une dyslipidémie, une sédentarité. Ces patients-là, s'ils ont une histoire familiale de maladie d'Alzheimer, c'est des patients à haut risque de développer la maladie d'Alzheimer. Surtout après l'âge de 65 ans. Malgré l'absence d'histoire familiale, même avec la présence de ces facteurs, on est à haut risque de développer la maladie d'Alzheimer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut lutter à ce niveau-là, puisque c'est des facteurs modifiables, et on ne peut pas lutter contre les facteurs qui sont non modifiables, tels que l'âge, malheureusement, on ne peut rien y faire. Le sexe, il y a une nette prédominance féminine, et cette prédominance féminine est reliée à la vie hormonale. Bien sûr, il faut savoir qu'il y a des antécédents familiaux, qu'il y a une susceptibilité génétique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie héréditaire, mais il y a une susceptibilité génétique. Que nous avons, heureusement pour nous, que les cas les plus fréquents sont les cas sporadiques où on incrimine bien sûr les mêmes mécanismes vasculaires, donc l'APOE Y4 qui est incriminé dans la survenue de la maladie
de la maladie d'Alzheimer. Donc, bien sûr, en dehors des facteurs de risque, il faut savoir qu'il y a des facteurs protecteurs. Comment prévenir ? On ne peut pas prévenir la maladie, mais on peut, quand on a un âge supérieur à 65 ans, on a tous les facteurs de risque, on est sédentaire, il faut probablement, il faut peut-être équilibrer son hypertension artérielle, il faut consommer des antioxydants, du poisson, l'activité physique qui permet la stimulation cognitive. Il suffit de marcher 30 minutes par jour, ça paraît banal, mais ça aide beaucoup dans la cognition, la lecture, tout ça. Donc ce sont des facteurs protecteurs de la maladie d'Alzheimer. D'abord, la question que l'on se pose, quels sont les premiers symptômes annonciateurs de la maladie d'Alzheimer ? On sait très bien que essentiellement, puisque on avait parlé tout à l'heure, rappelez-vous, l'hippocampe, l'atteinte, donc la partie interne du lobe temporal qui est responsable de la mémoire, vous savez très bien quand il y a une atrophie hippocampique, on a un déficit en acétylcholine, donc les premiers symptômes sont les troubles de la mémoire. Par la suite viennent la désorientation temporo-spatiale. C'est des patients qui confondent entre le jour et la nuit. Très souvent, ils viennent me voir, ils me disent « Mon père s'est réveillé à 2h du matin pour préparer le café en pensant qu'il allait travailler alors qu'il est à la retraite depuis plus de 10 ans. » Vous voyez, même si ça arrive une fois, c'est un signe d'alerte. Il ne faut pas faire passer ce genre de choses. Par la suite, vous avez une atteinte des fonctions cognitives. C'est quoi les fonctions cognitives ? C'est le langage, l'exécution du geste, l'apraxie, l'aphasie, l'apraxie et l'agnosie. C'est quoi le langage ? C'est des patients qui viennent pour un manque du mot. Ils cherchent leurs mots. Ils viennent, ils vous disent, docteur, je ne retrouve pas mes mots. C'est ça, les troubles du langage. Les troubles praxiques, c'est généralement quand on lui demande de s'habiller, il n'arrive plus à s'habiller seul. Il confond entre le bas et le haut, ou bien il met deux paires de chaussettes dans le même pied. Oui, il confond entre le pied gauche et le pied droit. Ça peut commencer comme ça. Les troubles gnosiques, c'est la reconnaissance des objets, mais visuels, parce que c'est le cortex occipital. Donc, il ne reconnaît plus les objets. Je lui dis, par exemple, qu'est-ce que c'est ça ? Alors qu'il a un niveau intellectuel élevé, il ne saura pas me dénominer les objets. Bien sûr, ça, c'est un stade évolué. Plus rarement, le tableau annonciateur, ce sont des troubles du comportement. Les troubles du comportement, on les voit très souvent dans les stades évolués de la maladie. Donc, stade de début, troubles de la mémoire, désorientation temporo-spatiale. On peut avoir un des trois fonctions cognitives qui est touché, ou bien les fonctions exécutives. C'est quoi les fonctions exécutives ? C'est le jugement, le raisonnement et le calcul. Très souvent, je reçois des patients qui sont comptables et qui viennent. L'alerte, c'est quoi ? C'est que je n'arrive plus à calculer. Je n'arrive plus à compter mentalement. Je suis obligée d'utiliser une feuille. Ça, c'est pas normal. Donc, il a déjà une atteinte des fonctions exécutives. Donc, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'essentiellement, ce sont les troubles de la mémoire qui sont au premier plan. On peut avoir une désorientation temporo-spatiale, on peut avoir une atteinte des fonctions cognitives, c'est le manque du mot, la perte de l'exécution du geste et la perte de reconnaissance des objets. Bien sûr, des troubles du jugement, de l'attention, du calcul, tout ça, ça fait partie des fonctions exécutives. Et il est très important d'apprécier le retentissement de l'autonomie. Parce que quand le patient arrive en consultation, on score ce patient et on voit tout de suite si le patient est autonome ou il y a déjà une perte d'autonomie, même si elle est partielle. Parce que quand il est autonome, c'est là où il faut agir. D'accord ? Donc, d'abord, il faut savoir que les différents types de mémoire, nous avons la mémoire à court terme, qui est la mémoire des faits récents, et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme, c'est la mémoire d'apprentissage, c'est la mémoire de travail, j'apprends de nouvelles choses. La mémoire ancienne, à long terme, elle implique la mémoire épisodique. Qu'est-ce que j'ai fait il y a 10 ans ? Je me suis mariée en quelle année ? Ça, c'est la mémoire épisodique. La mémoire sémantique, elle implique la culture générale. Qui a été notre président ? Je vais lui dire, par exemple, quel est notre président actuel ? Il va me dire, Boumediene, il est toujours dans son passé. La mémoire procédurale, c'est la mémoire qui reste longtemps préservée et qui est, par exemple, c'est la mémoire procédurale, je vais vous donner un exemple. Par exemple, apprendre à monter sur un vélo ou à conduire. Vous savez très bien que je reçois des patients qui sont à un stade évolué et qui arrivent toujours à conduire parce que c'est un automatisme. Et c'est la mémoire procédurale qui est impliquée. Par
contre, la mémoire des faits récents, elle est altérée dans la maladie d'Alzheimer. Donc, ce qu'il faut retenir, maladie d'Alzheimer, c'est la mémoire à court terme qui est altérée, la mémoire à long terme reste longtemps préservée. Donc, il faut savoir qu'il y a des étapes de mémorisation. Vous voyez très bien qu'au stade de début, vous avez, quand c'est une démence légère, vous avez une atteinte de la mémoire récente, alors que la mémoire ancienne reste longtemps préservée. Au stade donc modéré, vous voyez très bien, regardez la mémoire récente, elle est altérée dans les démences légères, la mémoire des faits anciens, elle reste préservée. Dans les démences modérées, c'est toujours la mémoire à court terme qui est altérée, alors que la mémoire des faits anciens, elle est plus ou moins altérée, alors que dans les démences sévères, les deux types de mémoire sont altérés. Il n'y a plus rien. Et la mémoire des faits récents et la mémoire des faits anciens. Vous savez très bien que le processus de mémorisation passe par trois étapes cruciales. C'est très important. Vous avez l'encodage. C'est quoi l'encodage? Je lui dis par exemple, citron, clé et ballon. Il va me les répéter. Il encode. Citron, clé et ballon. Il va me les répéter. Le stockage, donc la mémorisation passe par l'encodage, le stockage et la récupération. Dans la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas un problème d'encodage, mais de stockage. Pourquoi? Parce que je vais lui donner un test et je vais lui dire, dites-moi, citron, clé et ballon, il va les encoder. Trois minutes après, je vais donner une autre épreuve, c'est-à-dire je vais lui demander d'écrire ou de faire une épreuve de calcul et je reviens, je lui dis, oh, donnez-moi les trois mots que j'ai donnés. Il ne va pas s'en rappeler, peut-être qu'il va se rappeler de 2/3, peut-être 1/3. Je vais quand même donner un indice. Malgré l'indissage, il y a une atteinte de la mémoire des faits anciens, des faits récents. Donc il faut savoir que dans la maladie d'Alzheimer, il y a un défaut de stockage de l'information et donc on ne peut pas récupérer l'information. Donc encodage, stockage, récupération, ça c'est la mémorisation normale. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a un défaut de stockage, donc il est incapable de récupérer l'information. Bien sûr, devant des éléments cliniques, vous allez établir un diagnostic. Comment établir un diagnostic de maladie d'Alzheimer? Vous savez très bien que la maladie d'Alzheimer est un diagnostic qui repose sur un faisceau d'arguments et que le diagnostic de certitude reste le post-mortem. Mais on va dire que depuis les nouvelles avancées, que les critères diagnostiques ont révolutionné un peu le diagnostic, on nous a permis d'asseoir un diagnostic avec beaucoup plus de précision. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'étape clé au diagnostic reste l'interrogatoire. L'interrogatoire, on ne le fait jamais avec le malade lui-même. Il faut toujours avec un aidant. L'aidant principal, c'est-à-dire la personne qui vit avec le patient. L'interrogatoire, pourquoi on ne le fait pas avec le patient? Parce que le patient est anosognosique, il est dans le déni absolu. Il vous dit, moi, je n'ai pas de troubles. C'est eux qui ont des troubles, ils m'ont ramené. Moi, je me rappelle de tout. Je vais vous raconter des histoires qui remontent à mon enfance, mais je vais lui dire, oui, c'est, le problème est là. Vous vous rappelez de tout ce que vous avez fait dans votre enfance, mais vous ne vous rappelez pas de ce que vous avez mangé hier. Voilà. Donc, l'interrogatoire est une étape clé au diagnostic. Bien sûr, l'examen neurologique est important. Pourquoi l'examen neurologique est important? Pour classer la démence. S'agit-il d'une démence corticale ou d'une démence sous-corticale? Rappelez-vous que la maladie d'Alzheimer est une démence purement corticale où l'examen neurologique doit être strictement normal au début. Bien sûr, vont arriver les tests neuropsy et l'imagerie, les examens paracliniques, essentiellement l'imagerie, et on verra par la suite les biomarqueurs du LCR. Les tests neuropsy ne permettent pas d'établir un diagnostic, mais plutôt une orientation diagnostique. Donc l'interrogatoire, il est important. Pourquoi? Parce que le mode d'installation, on va poser la question. Première question que nous allons poser, c'est quoi à votre avis? Les facteurs de risque vasculaire. Avez-vous une hypertension? Êtes-vous diabétique? Avez-vous une dyslipidémie? C'est un élément important à l'interrogatoire. Avez-vous une histoire familiale? Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux de maladie d'Alzheimer? Il va me dire oui. Ah, je vais dire ce patient, je vais le dire à moi-même. Hein, je ne vais pas le dire au patient parce qu'il est très difficile. Il faut prendre le patient Alzheimer, surtout au début, avec beaucoup de pincettes et ne pas annoncer, savoir comment annoncer le diagnostic. On ne va pas briser un patient parce que vous savez très bien que, surtout quand on est intellect, on sait que c'est un processus dégénératif et qui est irréversible. Donc, on va poser la question, on va rechercher les facteurs de risque et on va rechercher surtout le mode d'installation. Est-ce que l'installation est progressive? Est-ce qu'elle est brutale? Pourquoi je pose cette question? Brutale, les diagnostics sont différents.
Pourquoi brutal? Ça peut être par exemple, une confusion d'installation brutale, je vais penser à un hématome soudural. Je vais écarter les causes vasculaires. Je peux écarter même les causes néoplasiques. Parfois, on peut avoir une céphalée avec des troubles du comportement. Il m'est arrivé de faire une imagerie avec des troubles mnésiques, de trouver un méningiome frontal. Vous voyez ? Donc, il est très important de rechercher l'interrogatoire. Il faut prendre le temps avec le patient. Bien sûr, après l'interrogatoire, il faut savoir reconnaître une plainte mnésique banale d'une plainte mnésique suspecte. Si je vous dis, j'ai du mal à me souvenir des numéros de téléphone, je vais vous poser la question dans la salle, je pense que la majorité vont me dire cela, surtout avec la nouvelle technologie. Je pose mes lunettes, mes clés, et je ne sais plus où je les ai posées. Je pense que c'est une plainte mnésique qui est très banale. J'ai besoin d'une liste écrite pour faire mes courses. Est-ce que vous en avez tous besoin, ou vous faites vos courses et vous n'oubliez pas les choses? On oublie tous. Donc ça, c'est une plainte mnésique très banale. La plainte mnésique suspecte, c'est quoi? J'ai du mal à fixer mon attention sur ce que je lis. C'est-à-dire, j'ai des troubles de l'attention et j'en suis consciente. J'ai besoin de me faire répéter plusieurs fois les consignes pour me rappeler. Je perds le fil de mes idées rapidement. Je n'arrive plus à me rappeler ou à raconter une émission que je viens de voir. Ça, c'est une plainte mnésique suspecte. Et là, il faut s'inquiéter. Donc les patients qui viennent chez le médecin généraliste, qui sont hypertendus, diabétiques, ont tous les facteurs de risque vasculaire, et qui vous disent, docteur, je crois que je commence à oublier, et vous oubliez quoi? Je commence je n'arrive plus à me concentrer comme avant, j'ai besoin de répéter les choses, le calcul, j'ai du mal à retrouver les noms propres, j'ai du mal, vous voyez, ça commence comme ça, donc il faut s'inquiéter, et l'idéal, c'est d'orienter le patient précocement chez le neurologue. Donc, bien sûr, l'examen neurologique, je vous ai dit, il est strictement normal dans la maladie d'Alzheimer. Si vous retrouvez une anomalie à l'examen neurologique, il faut revoir le diagnostic de maladie d'Alzheimer, sauf si le malade est à un stade évolué où il aura une atteinte extrapyramidale avec des troubles cognitifs et des troubles du comportement. L'examen, alors, neuropsy, bien sûr, vous avez fait votre interrogatoire, l'examen neurologique, les tests neuropsy. Donc, les tests neuropsy vous permettent une orientation diagnostique. Et ils vont vous scorer le malade. Est-ce qu'il professeur est au stade Amalou, de début il vous reste 6 minutes. Oh. Est-ce que vous êtes au stade de début? Je vais peut-être, comme je suis la dernière, je vais en profiter pour... Donc, est-ce que vous êtes au stade de début? Est-ce que c'est un stade modéré ou un stade sévère? Bien sûr, il y a plusieurs échelles. Vous savez très bien que les échelles permettent d'apprécier la déficience cognitive globalement et qu'il y a des échelles qui permettent, en fonction de l'orientation clinique, on les propose à nos patients. Vous savez que les tests, on les fait en fonction du niveau intellectuel. Les niveaux intellectuels, il va de NC1 jusqu'à NC7. NC1, c'est un illettré. NC7 et NC8, c'est des doctorants, même en médecine. Donc, voilà. Je vais rapidement parler du MMSE. Le MMSE permet d'apprécier la déficience globale, c'est-à-dire que vous allez regarder le MMSE, c'est les trois mots, c'est citron, clé et ballon, et je vais donner une autre épreuve, et je reviens là-dessus. Vous avez les cinq mots de Dubois, c'est par exemple mimosa, abricot, éléphant, chemisette, accordéon. Je lui demande d'apprendre les cinq mots. S'il a réussi les trois mots, je lui dis, alors vous avez réussi les trois mots, je vais aller plus loin. Je vais demander les cinq mots de Dubois, et là vous allez remarquer, s'il me donne les cinq mots, c'est que c'est bon, il n'a pas de... la mémoire est bonne, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de troubles cognitifs. L'élément qui est très important, qui est en faveur de la maladie d'Alzheimer, c'est quand je lui dis par exemple mimosa, abricot, éléphant, chemisette, il va me dire, moi je me rappelle de mimosa, je me rappelle d'abricot, éléphant, mais j'ai dit pantalon. Regardez, je lui dis c'est un vêtement, il me dit pantalon. Alors là, c'est une intrusion qui est très évocatrice de la maladie d'Alzheimer. Il n'a pas dit chemisette, mais il trouve un autre mot, c'est une intrusion en faveur de la maladie d'Alzheimer. Il y a le test de l'horloge que j'adore parce que vous savez, vous pouvez avoir des troubles cognitifs, un patient qui vient pour des troubles cognitifs et qui a un MMSE à 30 sur 30 avec les 5 mots de Dubois 5 sur 5. Mais le test de l'horloge est altéré. C'est un test qui est très fiable, que j'adore d'ailleurs, et que vous voyez, on peut avoir un patient qui n'a aucun trouble, un patient qui a des troubles légers et un patient, vous voyez, une démence légère, une démence modérée. Il n'arrive plus à placer les aiguilles, il n'arrive plus à placer les chiffres correctement sur le cadre de l'horloge. Bien sûr, les tests en délimite chez les analphabètes ont
on utilise la dénomination visuelle des images, c'est-à-dire on lui demande de dénominer ça c'est quoi, un chat, voilà. Donc l'IADL, c'est un test qui est très important. Pourquoi ? Il permet d'apprécier l'autonomie du patient. Si le patient est autonome, bravo, parce qu'on peut faire quelque chose chez ce patient, on peut proposer une thérapeutique. S'il y a une perte d'autonomie partielle, on peut aussi proposer, mais si la perte d'autonomie est totale, là, il y a beaucoup de difficultés à proposer des thérapeutiques parce que le processus dégénératif est déjà enclenché. Donc, qu'est-ce que vous allez demander comme examen paraclinique ? Essentiellement, l'IRM, qu'est-ce que vous allez voir ? Vous allez voir donc, une atrophie hippocampique. Vous voyez deux cerveaux d'un âge, donc c'est deux patients qui ont plus de 65 ans. Celui-là n'a pas de maladie d'Alzheimer, par contre celui-là a une maladie d'Alzheimer. Vous voyez très bien l'atrophie hippocampique bilatérale avec des signes d'attraction puisque la nature a horreur du vide. Et on voit très bien les ventricules qui sont dilatés, c'est-à-dire que l'atrophie est très importante, qui est très suggestif de maladie d'Alzheimer. Il y a des critères radiologiques qui permettent de scorer score 0 jusqu'au score 4 de maladie d'Alzheimer. Dans les cas atypiques de maladie d'Alzheimer à début précoce, on va jusqu'à l'imagerie fonctionnelle où on va regarder les zones qui ont exactement où il y a un dépôt d'amyloïdes, surtout temporal et occipital. Voilà. On ne le demande pas, ce n'est pas un examen qui est accessible, donc on le demande en cas de besoin ou en cas de forme de maladie d'Alzheimer atypique. Ce qu'il faut savoir aussi, devant toute démence, il faut faire une imagerie à la recherche d'une atrophie hippocampique, mais en parallèle, il faut faire un bilan sanguin. C'est quoi le bilan sanguin que nous demandons essentiellement ? C'est les sérologies HIV syphilis, même si c'est un patient qui n'est pas jeune. Très souvent, les sérologies, on les demande chez le sujet jeune, mais j'ai eu la surprise de recevoir une patiente de 75 ans qui avait une syphilis positive. Donc, il faut le faire chez tous nos patients. Il faut essentiellement doser la vitamine B12, la vitamine B9 et la TSH, le bilan thyroïdien. Quand on a une hypothyroïdie, on a un syndrome dépressif, donc on peut avoir des troubles cognitifs. Voilà. Quand vous avez une forme atypique de maladie d'Alzheimer, il faut aller jusqu'au biomarqueur. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a les deux protéines qui sont impliquées dans la maladie d'Alzheimer, c'est la protéine tau et la protéine bêta-amyloïde. On a la chance de doser ces deux protéines dans le LCR et ces deux biomarqueurs nous permettent d'asseoir un diagnostic. Il vous reste 8 minutes, professeur. Je vais terminer et je vais arriver au traitement. Donc, bien sûr, pour établir le diagnostic de maladie d'Alzheimer, il y a des critères diagnostiques qui sont réunis. Au début, il y avait les critères DSM-4, DSM-5, et nous sommes arrivés aux critères de l'Interworking Group, l'International Working Group, qui a permis d'asseoir le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Pourquoi ? Parce qu'au début, on tenait compte des signes cliniques, et en 2014, on a incriminé les biomarqueurs du LCR et l'imagerie cérébrale. Diagnostic précoce, pourquoi, à votre avis ? Parce que c'est le MCI, c'est avant qu'il y ait un déficit cognitif. C'est-à-dire, il y a des troubles cognitifs, mais il n'y a pas de déficit cognitif. Et c'est là où il faut agir. Et c'est là où j'attire votre attention, parce qu'aujourd'hui, pour les médecins généralistes, il faut arriver à dépister les patients à la phase préclinique, c'est-à-dire les facteurs de risque vasculaire. D'accord ? Quand on arrive à la phase prédémentielle et à la phase préclinique, c'est là où on peut agir. Lorsque la démence est avérée, quand il y a une perte d'autonomie, je pense qu'il est un peu tard pour proposer des thérapeutiques. Voilà. Donc, je vais passer rapidement. Le diagnostic de certitude reste quand même un diagnostic dans le post-mortem, c'est l'anapath après le décès des patients. Qu'en est-il de la prise en charge des patients ? Vous savez très bien qu'il y a un arsenal thérapeutique et qu'il n'y a pas de traitement curatif, que ce sont des traitements symptomatiques. Alors, vous avez différentes thérapeutiques, vous avez des anticholinestérasiques, puisqu'on sait très bien qu'il y a un déficit en acétylcholine, donc il faut donner des anticholinestérasiques pour libérer de l'acétylcholine dans le cerveau et améliorer les troubles cognitifs. Et vous avez les antiglutamatergiques qui agissent sur le comportement. Donc, première classe thérapeutique, anticholinestérasiques agissent sur la cognition, antiglutamatergiques agissent sur le versant comportemental. Les recommandations, c'est quoi ? C'est de traiter uniquement les stades légers à modérés. Les stades sévères, ça ne sert absolument à rien puisque le processus dégénératif est là, la perte d'autonomie est là, donc ça ne sert absolument à rien de préconiser des traitements. Qu'en est-il ? Donc, ce que je veux attirer votre attention, c'est que les MCI, c'est quoi les MCI ? C'est les patients qui ont des troubles cognitifs, mais n'ont pas de déficit cognitif. Ça ne sert à rien
de les traiter. Il faut juste surveiller ces patients et préconiser une stimulation cognitive. La lecture, les jeux d'échecs, les mots fléchés, tout ça, la marche, c'est des patients à prendre et à surveiller de très près, ne serait-ce que faire un MMSE une fois tous les 6 mois, voire une fois par an. On parle aussi de bithérapie. L'idéal, c'est qu'il y a eu une étude qui a été publiée, l'étude de Domino, qui a permis, qui a prouvé l'efficacité de la bithérapie dans la maladie d'Alzheimer. Pourquoi ? C'est les anticholinestérasiques plus la mémantine, les antiglutamatergiques. L'une va agir sur la cognition et l'autre, la mémantine, va agir sur le comportement. Donc, nous avons constaté que la bithérapie avait une efficacité meilleure. Donc, les nouvelles cibles thérapeutiques, vous savez très bien qu'on parle maintenant d'anticorps monoclonaux et que la FDA a donné un accord accéléré à la commercialisation de ce médicament, mais malheureusement, nous n'avons pas observé d'amélioration clinique. Il y avait uniquement une amélioration radiologique, donc c'était un échec thérapeutique. Bien sûr, après avoir vu les traitements médicamenteux, il faut penser aux traitements non médicamenteux qui restent le volet le plus important. C'est quoi l'objectif ? C'est d'améliorer les fonctions cognitives, retarder le maximum la perte d'autonomie des patients et surtout, vous savez, l'objectif de la stimulation cognitive, c'est de préserver l'autonomie du patient et éviter les troubles du comportement. Comment on évite les troubles du comportement ? C'est, il faut intervenir sur l'activité physique, motrice, donc c'est la marche. Agir sur le comportement par la musicothérapie, apprendre de nouvelles choses, l'aromathérapie et par le jardinage. C'est très conseillé aux patients. Tout ce qui est ergothérapie, tout ce qui est manuel est très conseillé dans la stimulation cognitive. Bien sûr, donc je vais vous dire 2 mots sur la reminiscence, la luminothérapie qui agit sur les troubles du comportement. Donc il faut l'intérêt d'installer, de mettre en place des structures, des unités spécialisées pour prendre ce genre, pour prendre en charge ce genre de patients, et il faut que ce soit très éclairé, parce que la luminothérapie agit sur l'humeur, et donc sur la cognition, parce que c'est un cercle vicieux. Quand on déprime, on fait des troubles cognitifs. C'est pour ça que la démence est établie en dehors de tout état confusionnel et état dépressif. Voilà, donc il est très important l'orithérapie et tout ce qui est travaux manuels. En conclusion, donc, la maladie d'Alzheimer représente un enjeu majeur de santé publique. Conséquences socio-économiques alarmantes. La maladie d'Alzheimer nécessite une prise en charge multidisciplinaire et je tiens à faire appel aux médecins généralistes qui trouvent une place très importante dans le dépistage précoce de cette maladie, parce que vous savez très bien que malheureusement, les patients arrivent à un stade tardif. Ils n'arrivent pas, ils sont sous-diagnostiqués parce que très souvent, les parents, quand ils sont ignorants, ils vous disent « Non, mon père, il va très bien, il se rappelle des choses anciennes, mais il ne se rappelle pas uniquement de ce qu'il a mangé. » Donc, ils ne consultent que quand il y a des troubles du comportement ou ils deviennent gênants à l'entourage. Et donc, moi, aujourd'hui, j'aimerais sensibiliser les médecins généralistes à nous aider à dépister précocement ce genre de patients. Voilà. Avant de finir, j'aimerais dire quels sont les 10 signes qui font craindre une maladie d'Alzheimer. C'est la perte de mémoire récente, la difficulté à effectuer les gestes de la vie quotidienne, comme cuisiner par exemple, s'habiller, problème d'expression du langage, je cherche mes mots, c'est un signe d'alerte. La désorientation temporo-spatiale est un signe d'alerte. La perte du raisonnement, les oublis des pertes des objets, changement d'humeur et de personnalité. Très souvent, c'est des patients qui vont à la retraite, qui commencent à s'isoler, où on remarque un changement de personnalité et d'humeur. Ces patients-là, il faut les prendre avec des pincettes et les évaluer pour éviter qu'il y ait une démence avérée. C'est-à-dire qu'il faut arriver à déceler les patients précocement. Et je vous remercie en vous montrant l'unité Alzheimer.